Salut tout le monde, c'est Quentin de J'aime Dijon. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas à Dijon. On se retrouve au Clos Saint-Denis, à Moret-Saint-Denis. Pourquoi ? Parce que le week-end prochain, 27 et 28 janvier, on se retrouve pour la Saint-Vincent Tournante 2024 qui est organisée par les villages de Moret-Saint-Denis et Chambol-Musigny. Une grande fête populaire qui va ramener plusieurs dizaines de milliers de personnes avec forcément la dégustation des cuvées 2022, mais aussi une édition qui sera sous la thématique des arts et du vin avec beaucoup d'animations qui sont prévues le jour. On démarre aujourd'hui avec des préparatifs, c'est-à-dire la préparation des kits, c'est le plus important pour une Saint-Vincent Tournante, des kits de dégustation, où il y aura 8 tickets, un livret de présentation des deux villages et des explications sur les animations, parce qu'il y a beaucoup d'animations dans les rues, il y a des spectacles, et puis aussi un plan où on pourra retrouver tous les caveaux, les 14 caveaux qui sont présents dans les deux villages et les 3 caveaux enfants. Un événement qui se veut aussi éco-responsable avec une volonté d'être labellisé événement éco-engagé. Alors beaucoup d'actions sont faites dans ce sens, on a des toilettes sèches, on a des poubelles construites à partir de tonneaux, on a des goodies éco-responsables, pas d'énergie fossile. Bref, plein de belles choses qui nous attendent le 27 et 28 janvier prochain pour la Saint-Vincent Tournante 2024. On vous attend nombreux. Salut !